Shahin a été un marqueur du cinéma égyptien tardivement, si on peut dire. Parce que euh, c'est peut-être la reconnaissance de l'Occident de Shahin qui fait qu'on en parle un peu plus. Mais, euh, mais Shahin euh, n'est pas un phénomène hein, à part. Euh, Shahin est d'origine syro-libanaise, tout comme... Euh, Henri Barakat, qui signait ses films Barakat. Mais tout le monde s'en foutait Qui s'appelle Henri ou autre. C'était Barakat, les grands films du cinéma égyptien, c'était Barakat. Et Shaheen, on ne savait pas s'il était chrétien ou musulman, ça n'avait pas d'importance. Mais Shaheen a fait des comédies musicales en Égypte dans les années 50. Il a fait des films qui ont Très bien marché et il a fait des films qui sont devenus des classiques du cinéma égyptien comme gare centrale mais à l'époque quand le film est sorti ça a été un, un échec total les gens étaient furieux euh, casser les les, 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 euh, les, les les fauteuils dans le cinéma parce que il a montré un acteur qui était euh, farid shaoui qui avait c'était le costaud le costaud du cinéma le bagarreur il lui avait donné un rôle de, de syndicaliste qui défendait les droits des ouvriers et des, des porteurs euh, de, de valises là, dans la gare centrale. Et donc c'était un rôle euh, contrairement inattendu pour ce, ce, ce costaud, ce bagarreur du cinéma. Et donc les gens étaient un peu furieux, ils n'ont pas compris. Donc ce film, chaque fois qu'il passe à la télévision actuellement, il réunit tout le monde. Et donc il y a eu reconnaissance intérieure et extérieure. Euh, Shahin, euh, ses premiers films, par exemple avec Omar Sharif, Ciel d'enfer, Seraf El-Wedi, euh, qui a réuni Fatin Hamama et Omar Sharif pour la première fois, euh, c'est un film qui a été à Cannes. Tout comme euh, des films aussi d'Henri Barakat, ou comme des films de Salah Abouzef, tous ces cinéastes ont, eu, euh, ont participé. Au festival de Cannes au cours des années 50. La censure de, de, de Salah Abou a été présentée à Cannes. Donc, mais la reconnaissance internationale de Shaheen, elle est venue quand il y a eu le début des coproductions avec la France. C'était dans les années 80, je pense que c'était avec Adieu Bonaparte, le premier film où il y a eu cette collaboration avec un grand producteur, c'est euh, Balzan. Euh, et, et ensuite, euh, depuis 1984, je pense, euh, tous les films que Jaïne a faits ont été des coproductions avec la France. Et donc, comme la, quand la France coproduit, elle diffuse. Pour, pour les autres films, les autres cinéastes, ils n'ont pas eu cette chance. Alors qu'ils avaient de, de très beaux films aussi, qui méritaient une reconnaissance euh, aussi importante.